J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de vraiment louche dans ce filtre à style. Oh, j'ai une idée. Analyse de tenue. Trop chou ou pas du tout? Pas du tout. C'est la preuve ultime. Aucune science dans le monde entier ne peut penser que Praline n'est pas trop chou. On a trouvé. Oh. Cette appli filtre ton style raconte n'importe quoi. N'importe quoi? Je savais bien que j'étais naturellement tendance. Je vous le dis depuis le début. L'important, c'est de porter les vêtements qui nous rendent heureuses et qui nous plaisent. Allez, venez les filles. On a un dressing rempli d'affaires à essayer. Super, nul, bof, génial, bien, affreux, chic, burk, nul, stylé, glamour, atroce, démodé, mignon. Analyse de tenue. Adorable ou déplorable? Déplorable. C'est arrangé. Adorable. Elles sont cool, tes lunettes, Praline. Où est passé le Modotron? Je crois qu'on a une urgence de style, là, les filles. Modotron? Oh, c'est amusant! Le Modotron a totalement intégré les jugements hasardeux du filtre de l'appli. Et il essaie d'embellir tout ce qu'il considère comme contraire à la mode en ajoutant des accessoires stylés. Analyse de tenue. Très cool ou ma boule? Ma boule. C'est arrangé. Très cool. Analyse de tenue. Analyse de tenue. Jugement de tenue. Il faut qu'on retrouve le Modotron avant qu'il ne recouvre toute la ville d'accessoires de mode. Je crois que je sais où se trouve le Modotron. Oh, un robot impoli vient de me dire que ma tenue était nulle. Et ensuite, il a fait apparaître ce nœud dans mes cheveux. Alors que le jaune, ça ne me va absolument pas. Non, il est génial. Il m'a donné cette paire de lunettes trop cool. Le nouveau code est prêt à être installé. Tu as prévu quoi pour réparer le Modotron? Je vous expliquerai en route. Direction le parc. Jugement de tenue. Original ou banal? Banal. C'est arrangé. Hé, hey, Modotron, je te préviens, tu ne vas plus juger les tenues des gens très longtemps. Jugement de tenue. Branché ou démodé? Branché. Inexact. Démodé. Je trouve ça plutôt mignon, en fait. C'est pas très discret, mais c'est drôle. Super petite. Tiens-toi prêt, Modotron, parce qu'on va te donner de nouvelles idées sur la mode et les tendances. Incompatible. Je refuse les nouvelles idées. Je veux rester un robot qui juge les tenues des gens. Jugement de tenue. Jugement de tenue. Trop d'accessoires fabuleux. Surchauffe. Surchauffe. Fonce, Polly! Surchauffe. 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 Il est grand temps d'être un peu plus cool, Modotron. Juger les tenues des autres n'est plus à la mode. Vêtements. Surchauffe. Tu vois, nous, on s'amuse bien avec la mode, Modotron. Peu importe si nos vêtements sont tendance ou pas. Être à la mode, c'est soutenir ses amis et aimer ce qu'on porte, quoi qu'il arrive. Modotron, est-ce que tout va bien? Observation de tenue. Oh, ça alors! Trop mignon! Vous êtes toutes très cool! Je crois que je viens enfin de comprendre la mode, mais je vois quelqu'un qui n'est pas en train de s'amuser autant que nous. Qu'en penses-tu? Observation de tenue. Oh, très amusant. Merci beaucoup. Waouh, très joli nœud, robot. J'adore. Oh, préparation d'une nouvelle question. Que signifie adorer? C'est... Une seule clé USB ne suffira pas pour te l'expliquer. Ah,
Praline. C'est vraiment toi, notre plus grande fan. Et ce sera peut-être notre seule fan si on ne réussit pas mieux cette danse pour le concours de talent. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Oh, mais oui! Il nous faut une quatrième danseuse. Et on va la trouver où? Tu veux fabriquer un robot qui danse? Mais non, ne dis pas n'importe quoi. Ouh! Mais on pourrait créer un blob organique doué de sensations et qui pourrait changer de forme. Un blob doué de sensations? On ne peut pas juste changer la corée? Oh, je ne sais pas. Le blob serait plus notre style. Oui, c'est vrai. Ça marche. On va faire de notre trio une super équipe de danseuses. Et c'est parti! Petit numéro, c'est ça? Tu devrais le retravailler un peu. Tu vas où, au fait? Le concours de talent. Oh, moi aussi, j'y vais. Je m'occupe du spectacle. Je crois que toute l'école a l'intention de venir. On y va ensemble? Très impressionnant! Allons-y. Bien, ça va être à toi, Polly. Où sont Shani et Lila? Et qu'est-ce que tu vas présenter? Moi, c'est Polly. Oh, zut, ce n'est pas vrai. Je suis tombée, mais tout va bien. Je vois, c'est original. Oui, je le reconnais. Blobby, tu es là? On est arrivé juste à temps. Il était moins une. Tout à fait. Vous imaginez la honte que j'aurais eue si Blobby avait fait son petit numéro devant toute l'école. Allez, viens, Blobby. Il nous reste encore un peu de temps pour t'apprendre la chorégraphie. Lila, je ne suis pas Blobby. Moi, je suis la vraie Polly. Oh! Mais alors, où est passé Blobby? Oh! Le concours de talent. Non! Notre kangourou et son bébé Joey. Regardez comme ils sont mignons. Et vous aurez la chance de prendre des photos avec eux après le spectacle. Un kangourou? Où est-ce
Est-ce que Margot a bien pu trouver un kangourou? Tu sais, sa mère travaille dans un refuge pour animaux, mais je ne crois pas qu'elle sache que Margot l'a pris pour la foire du partage. Voyons, je ne pourrai jamais rivaliser avec ce magnifique marsupial. Lila, ta démonstration de caraboum est époustouflante. Oh, caraboum! Ils vont adorer. C'est le meilleur numéro que j'ai jamais vu. Non, non et non. Je ne peux pas me présenter sur scène avec une simple démo de caraboum. Il me faut quelque chose de bien plus spectaculaire. C'est moi ou c'est la première fois que Praline fait de pareilles acrobaties? Super grande! Oui, Praline a de tout nouveaux pouvoirs grâce à notre toute nouvelle invention. Les diadèmes super cerveaux. Des diadèmes qui scannent l'activité d'un cerveau pour transmettre des compétences à un autre cerveau. Le diadème envoie les compétences de Polly en matière de skateboard à Praline qui instantanément les met en pratique. Oh, génial, on va montrer tes nouveaux super pouvoirs à tout le monde. Oh, attendez, c'est parfait. Je pourrais utiliser ces diadèmes pour apprendre à l'une de vous des prises de caraboum, comme ça j'aurai une partenaire. C'est beaucoup plus visuel et le public oubliera enfin ce maudit kangourou. Ah, oh, c'est pas mal comme plan. Oh, Shani, tu veux faire du caraboum? Pourquoi pas, ce serait un talent à ajouter à la liste des talents que j'ai déjà. Et transmission de pensée. Oh, waouh. Oh, je suis hyper calée en caraboum. Oh oui, alors c'est parti. C'est merveilleux. Tu sais faire exactement les mêmes prises de caraboum que moi. Ils vont tous dire oui, le kangou quoi. Laisse-moi tout transférer à mon cerveau, histoire que je m'en souvienne pour notre numéro. Ces diadèmes sont magiques, mais on aura l'air assez ridicule si on les porte lors de la démonstration. Oh, je sais pas le dire. Allez, Shani, c'est le grand moment. Oh, salut, kangourou. Je suis sur le point de montrer mon talent pour la pâtisserie à la foire du partage, mais avant ça, on se fait un petit selfie. Oh, tu seras super avec ça. On sourit, ouais. Ma pièce montée. Waouh, vous avez été fabuleuses, les filles. Salut, Nicolas. C'est ça ton talent, t'allonger dans une substance gluante? Non, un kangourou complètement hors de contrôle avec des yeux ultraviolets a envoyé un coup de patte dans mon gâteau. Mais c'était un moment épique. Quoi? Vous croyez ce que je crois? Bien sûr que c'est ça, Lila. Que tous les concurrents du concours de talent se mettent en place pour la suite de la foire du partage. Et surtout, soyez vigilants à ne pas abîmer vos accessoires de numéro. Merci. Laissez la pro s'en charger. Il connaît toutes les prises. La technique de la queue, je la connaissais pas. Rattrapez ce kangourou. Salut les amis, le spectacle a déjà commencé. Ma piñata. Ce kangourou est en cavale. Salut les amis, le spectacle a déjà commencé. Non. Ma piñata. Pourquoi? Il Bella faut absolument rattraper ce kangourou caraboum avant qu'il ne se mette à saccager toute la ville. En direct depuis le parc de Little Town, nous attendons l'inauguration du musée du verre en plein air pour célébrer ensemble un univers passionnant et extrêmement fragile, à savoir l'univers du verre. Tout ce qu'il nous fallait. Le kangourou a appris les compétences de Lila en caraboum via le diadème super cerveau. On doit mettre la main dessus et puis trouver une solution ingénieuse. Super petite. Très bien, Polly. Le diadème envoie toujours un signal de réception. Vous avez des idées? Je pourrais inverser la polarité de l'émetteur. Ça devrait enlever au kangourou ses compétences de caraboum et les renvoyer à l'expéditeur, à savoir Lila. Ça pourrait marcher. Faisons un essai. Et pendant que tu y es, j'ai cette mèche rebelle qui ressort. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Lila, restons concentrés. Transmission de pensée. Oh.
maintenant on a un kangourou Karaboum et une Lila kangourou. Oh, et oui, vu que ma piñata a été malheureusement détruite, voici mon talent de secours. Je vous demanderai de ne surtout pas bouger pendant que... Oh, attention, la femme kangourou arrive. Désolée. Je jette l'éponge. Reviens, Lila. Il faut qu'on éteigne son diadème. Non, Polly. Il faut qu'on éteigne les deux diadèmes en même temps. Ou Lila pourra rester transformée en kangourou pour toujours. Regarde, elle vient de s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Son bébé Joey. Il doit se demander où est sa maman. Ça vient de me donner une idée. Vite, allons au parc. Kangourous vont bien. Je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Mais tu n'étais pas censée présenter un numéro à la foire du partage? Oh, j'avais presque oublié. Est-ce que vous pensez que Praline qui fait du skateboard sera suffisamment sensationnelle après tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Là, on tient un numéro de folie. Oui, aujourd'hui, Lila s'incline devant Praline. Oui, oui.